Donc ici c'est la ville de Médine à l'époque du prophète عليه أفضل الصلاة والسلام. Donc la partie centrale c'est la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc la porte qui clignote c'est la porte de Jibril. Donc on l'appelle la porte de Jibril parce que c'est la porte par laquelle Jibril venait pour voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Ici, c'est la porte de Salam. Donc ça, c'est la porte unique qui existe aujourd'hui lorsque les hommes rentrent pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est la porte de la miséricorde, Bab al-Rahma. Ensuite, la porte nord. Donc ici, la petite partie clignotante, c'est Ahl al-Sufa. C'était une partie qui était réservée aux pauvres qui vivaient à Médine. Donc nous allons parler des petites maisonnettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici c'est la petite maisonnette de Hafsa, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Safiya. Ensuite Safiya. Ramla. Zainab bint Jahsh. Umm Salama, Sauda, Jouayriya, et ici c'est Hujrat Aisha radiallahu anha, la maison où il est enterré aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où il est mort. Donc c'est dans cette maison où les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés, parmi eux donc il y a Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et Omar ibn al-Khattab. Donc il y a quelques demeures qui sont connues de certains compagnons ici sur ce plan. Donc ici il y a la maison de Abu Ayyub al-Ansari, celui qui a accueilli le prophète sallam à son arrivée à Médine pendant la hijra. Ici nous avons la maison de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Ici Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid. Et ici, la maison qui est collée à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la maison de sa fille, Fatima, et de son gendre Ali ibn Abi Talib. Ici, nous avons la maison de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et au fond, là-bas, nous avons le cimetière du Baqir, Maqbarat al-Baqir. Donc dans ce cimetière, il y a plus de 10 000 compagnons qui sont enterrés. Donc toute personne qui meurt aujourd'hui à Médine, elle est enterrée dans ce cimetière, le cimetière du Baqir. Donc ici, on a ce qu'on appelle Saqifat Bani Sa'ida. C'est un endroit qui se trouve juste à côté de l'hôtel où on habite. Il y a une petite palmeraie. Hein, quand on sort de l'hôtel pour aller vers la mosquée, il y a une petite palmeraie. Donc c'est ce qu'on appelle Saqif Bani Sa'ida. Et ça, c'est un endroit où les compagnons ils sont se réunis à la mort du professeur Salem. Et ils ont fait une concertation pour savoir qui est-ce qu'ils allaient désigner pour succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cet endroit-là, dans la Saqif, qu'ils ont désigné Abu Bakr al-Siddiq pour être le premier calife de l'islam. Donc ici c'est comme sur le plan précédent quand on a parlé du plan à la Mecque, toutes ces maisons aujourd'hui elles n'existent plus et elles font toute cette partie là elle fait partie de la mosquée du professeur Salem aujourd'hui. Donc tous les endroits qu'on a eu l'occasion de visiter ou certains d'entre eux en tout cas, ils étaient à l'extérieur de la ville de Médine, comme la mosquée de Quba, comme la montagne de Uhud, comme Masjid al-Qiblatayn, la mosquée où il y a les deux directions, et voilà, ainsi de suite. Donc la superficie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa mosquée, elle faisait 1050 mètres carrés. Donc pour ce qui est des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison elle faisait 3 mètres
sur trois. Donc c'est un petit peu la superficie de ce carré, ou un tout petit peu plus. Et ça, c'était une maison, ça. Vous imaginez, c'est, quand nous on dit une maison, on s'imagine cuisine, salle de bain, salon, sa chambre, c'était ça. Et dans ça, il faisait tout, il faisait à manger. Ça fait la taille d'une salle de bain. Ouais. Impressionnant hein, quand même. C'est dans cette superficie-là, dans cette place-là, que les gens y vivaient et faisaient tout ce dont ils avaient pour vivre en fait. Donc ça revient à ce qu'on était en train de dire. Nous, quand on parle d'une maison, on a l'impression, tout de suite dans notre esprit, on pense à un salon, une cuisine, une salle de bain, une entrée, un balcon, etc. Alors que la maison, c'était quelque chose de très simple, très, très éphémère. Et c'était dans ces endroits-là qu'ils faisaient tout. Ils faisaient à manger, ils dormaient, ils vivaient, ils faisaient leurs relations sociales. Donc c'était vraiment très, très limité. Mais dans cette partie-là, c'était leur vie en fait qui se déroulait. Et il dit aujourd'hui, nous vivons dans des demeures où on vit dans des grands espaces et on se dit, mais là on est dans des endroits tout exigus. Donc c'est... Comment ? Aujourd'hui, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas vivre comme ça. Ben non, les gens aujourd'hui ne supportent pas de vivre comme ça, de cohabiter dans une seule et même pièce, de tout faire dans une seule et même pièce. Ben, ouais, je veux dire, c'est vrai. C'est pas donné à tout le monde, surtout pas à notre époque. Non. Si vous avez des questions. هي تقول بأن الصحابة رضي الله عنهم كانت بيوتهم أكبر من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit c'est vrai, c'était le cas. Les maisons de certains compagnons, elles étaient plus grandes que, et c'est le cas sur le plan que les maisons ou les maisonnettes du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça c'était le meilleur des hommes. هي تقول منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في أي مكان يعني في المسجد. منبر النبي مسؤول موجود الآن. يتخيلوه في منتصف المسجد. Donc il dit, il n'est pas représenté ici sur le plan, mais il dit c'est dans le milieu de la mosquée. Il n'existe plus là. Non, là il n'existe plus le trône, non, il n'existe plus là. Donc on continue, inshallah.